Bonjour et bienvenue à la présentation du conseil municipal de l'Ange-Gardien du 2 mai dernier. Mais avant de passer au conseil municipal, on va passer avec une entrevue avec M. Marc-Louis XVI, maire de la municipalité. Bonjour M. Louis XVI. Bonjour M. Caron, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et on a eu quand même un beau conseil la dernière fois, le 2 mai dernier. Exact. Et on a parlé de beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui sont revenues à l'esprit et que oui. J'aimerais clarifier pour les citoyens. Absolument. On parle d'abord, vous avez fait des demandes multiples à la CPTAQ. Donc, exact. On aimerait savoir qu'est-ce que la CPTAQ. On entend souvent cet acronyme-là dans les journaux ici et là, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça fait comme organisme gouvernemental. Mais la CPTAQ, c'est la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Donc, eux, c'est je ne dirais pas le bon terme, mais ils sont indépendants du gouvernement pour prendre des décisions au niveau agricole. Excusez-moi, j'ai oublié le terme. Et puis, au conseil municipal de l'Ange-Gardien, lorsqu'il y a des demandes à portée agricole, des constructions dans des terres agricoles ou des alignations de l'eau pour de la construction, le comité consultatif d'urbanisme se doit d'analyser la demande et faire une recommandation au conseil pour appuyer ou non la demande qui va ensuite être envoyée à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Dans mes 27 ans au conseil municipal, au début, nous avions rencontré des fonctionnaires de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Et ce qu'ils nous avaient dit à l'Ange-Gardien à l'époque, lorsqu'il y a des analyses au niveau à portée agricole, la municipalité de l'Ange-Gardien se doit d'étudier le dossier et en faire une recommandation. Et non de laisser l'odieux à la Commission de la protection du territoire agricole de décider oui ou non s'ils vont l'accorder. Nonobstant que le CCU peut être en accord avec n'importe quelle demande d'autorisation, il reste que la CPTAQ est souveraine dans sa décision. Donc, elle, même si on appuie une demande, elle peut la refuser ou même si on la refuse, la CPTAQ pourrait dire oui, on l'accorde la demande. Mais souvent, c'est des constructions sur une terre agricole qui a un lot potentiel extrêmement faible sur une partie de terrain. Comme vous savez, les terres agricoles sont classées selon des niveaux. Et puis, il y a des terres agricoles, donc c'est incultivable, mais pourquoi qu'il y avait une partie comme ça qui se retrouvait comme ça, mais pour y ériger une construction de maison. Donc, le CCU se penche, analyse le dossier et fait une recommandation dans les deux cas qui nous concerne au conseil de mai. Le CCU a appuyé la demande, les demandes en question et a fait une recommandation à CPTAQ que la municipalité de l'Ange-Gardien était favorable et appuyait ces décisions-là à portée agricole. Donc, c'est ça. Oui. Il faut que vous fassiez vos devoirs, autrement dit, avant de proposer quelque chose à la CPTAQ. Absolument. Puis, Sylvain, excuse, je ne veux pas t'interrompre, mais c'est comme ça que la municipalité s'est bâtie une crédibilité au gouvernement, donc au gouvernement, à la CPTAQ. La CPTAQ, eux, adorent que le conseil à l'analyse et puis fasse la recommandation. Je pense que ils n'aiment pas d'avoir l'odieux d'apprendre aux autres la décision. Puis c'est comprenable. Je pense que le mandat du comité consultatif d'urbanisme, c'est bien d'analyser toutes les demandes. Donc, c'est ce que la municipalité a fait, a toujours fait. Et puis, comme je vous dis, on est bien. On est bien vu de la CPTAQ. Donc, quand on fait une analyse et on recommande, la CPTAQ vont se dire, OK, comme c'est vraiment, ils l'ont étudié, puis ils peuvent voir tous les attendus, là, pourquoi qu'ils l'approuvent. Et puis, c'est à eux après de prendre une décision. Mais comme je dis, ils sont souverains, ils sont indépendants, ils peuvent pas subir de pression de personne. Donc, c'est ça. Fait que, non, moi, c'est un volet à l'urbanisme que j'aime beaucoup lorsqu'on a ces demandes-là où tout,
toute chose qui nécessite l'autorisation ensuite de la CPTAQ. Moi, j'ai toujours été content du service d'urbanisme puis du CCU qui a toujours fait leur devoir pour en faire une recommandation d'appuyer ou non. C'est déjà arrivé qu'on a carrément refusé parce qu'il n'y avait aucun projet agricole, donc tu ne peux pas... M. Caron, vous ne pouvez pas acheter une terre et dire, ben Marc, j'achète une terre agricole, puis on pourrait te demander, ben c'est quoi ton projet agricole? Je ne te le dis pas, je ne peux pas te le dire, ben c'est sûr que tu n'auras pas de demande parce que tu n'auras pas d'autorisation. T'sais, on a besoin de savoir tous les projets à portée agricole, donc c'est important. Donc, ce n'est pas simplement que mettre une clôture puis mettre deux, trois poules, là, c'est plus long que ça. Exact, oui. Et aussi, il y a un autre point, on entend tant souvent parler dans plusieurs municipalités, le PIIA. Le PIIA? On entend ça souvent à Gatineau, un peu partout à travers le Québec. On en implante beaucoup. Vous en avez implanté d'ailleurs quelques-uns au dernier conseil municipal. Qu'est-ce que le PIIA et à quoi il sert? Bien, c'est un plan d'implantation, d'intégration architecturale. Donc, lorsqu'on a des nouveaux bâtiments, lorsqu'on a des nouveaux bâtiments qui sont érigés, le CCU, encore une fois, dans son mandat, va exiger un plan d'implantation d'intégration architecturale pour s'assurer que tout se marie bien avec le voisinage et tout ça. Et puis, il y a quand même des spécifications assez détaillées là, qui doivent rencontrer. Mais... c'est ça. Donc, c'est le CCU qui se penche toujours là-dessus pour approuver les plans, donc comme tel. Donc, mettons, pour vous mettre un visuel, mais c'est sûr que c'est plus une boîte d'allumettes. Là, si tu construis quelque chose, là, c'est vraiment, il y a de la volumétrie, donc il y a plein de choses, même au niveau dans le parc industriel aussi également. Là, donc, c'est la même chose. On va demander une façade avec de la pierre. C'est certaines choses, donc ça vient un peu mettre les balises pour ça. Là, donc, Et donc, on continue avec le chemin d'Arnaudson qui fait encore parler au dernier conseil municipal. Il a fallu approuver la dépense pour avoir fait venir la pelle mécanique spéciale et tout le pataclan qui va avec. Et donc aussi avec le prix aussi qui a été assez important, du déplacement de cette machine-là. Il fallait approuver une dépense. Donc, vous avez approuvé une dépense de 75 000. Exact. Mais est-ce que ça pourrait être plus éventuellement? Absolument. Il y a un autre à peu près 20 000 $ qui va s'ajouter. Puis le 20 000 $ qui va se rajouter, c'est la même firme, Englobe, qui va venir, comme la dernière fois, je vous avais parlé, de venir prendre un scan, numériser la paroi et eux font des simulations à savoir si, de ce qui reste, des travaux qui ont été faits, là, qui sont super. S'il y a quelque chose qui se détache ou ça pourrait tomber, mais le avant et après, c'est plus le même endroit. Là. Donc, les gens vont constater l'ampleur des travaux qui étaient faits là. C'était plus qu'urgent à faire. Là. Donc, je pense que ça va être résolu, une fois pour tout. Là. Donc, moi, je suis extrêmement satisfait, le conseil est satisfait, la direction générale aussi, donc de ça. Au moment où je vous parle, je pense qu'ils ont probablement fini de tout nettoyer. Je pense qu'il y a deux petites sections qui vont réparer le pavé en avant du rocher, là, qui est un petit peu abîmé. Il faut comprendre avec les travaux qui étaient faits là. Mais je vous dirais, ce week-end, ça va être ouvert. Là. Donc, tant qu'à moi, le chemin va être... la réouverture va être faite. Puis, en tout cas, comme on est extrêmement fiers, comme vous le savez, la saison estivale arrive, donc les travaux ont pu être complétés. Nous, par contre, au niveau des travaux publics, bonhomme Alain, on fait face toujours à des impondérables. C'en est un majeur. Des fois, ça nous fait décaler nos autres travaux à deux, trois semaines. Là, donc, des fois,
Je reçois des téléphones, Marc, comment ça se fait? Là, tu sais, encore, on n'a pas mis encore de boursier. Mais écoutez, là, tu sais, on doit gérer nos priorités. Donc, pour cette réouverture de chemin-là, mais je pense qu'on va pouvoir prendre l'expression, on va peser sur le gaz, que tout recommence, puis qu'on puisse rattraper un peu le temps perdu. Mais c'est. Écoutez, c'est propre chez nous, puis ma municipalité, mais ça l'est ailleurs aussi. Donc, les municipalités, on fait face à des impondérables, des fois, qui est hors de notre contrôle. Puis, bien, faut prendre nos responsabilités et les faire, puis quitte à décaler un peu. Donc, c'est ce qui est le plus important. Et aussi, vous en avez mentionné, l'été arrive, il fait beau, il fait chaud cette semaine. Et donc, vous avez préparé la table pour le chamboisé. Exact. Vous avez autorisé la location d'un chapiteau pour l'été au complet, pour tous exact. Les événements qui vont être oui. là. Et oui. on a mentionné d'ailleurs que c'était plus économique de le faire ainsi que de monter et démonter à chaque fois un chapiteau. Oui. On le loue pour tout l'été et on le laisse là oui. tout l'été. Oui, exactement. Puis... Bien, comme vous savez, cet été, il va y avoir des spectacles, il va y avoir aussi un festival de spiritueux et il y a l'événement en trace. Donc, même que ce soit pour le festival qui va avoir lieu à la fin août, eux avaient besoin d'un chapiteau pour nos événements également de spectacles extérieurs. Donc, on vient un peu... le besoin vient combler ça aussi. Puis pour l'événement trace, c'est la même chose. Donc, il y a un partage de coûts à trois là-dedans. Donc, ça vient réduire un peu la facture pour ça. Donc, c'est important. Et puis, bien, beau temps, mauvais temps, il y aura des événements. Là, donc, c'est bien. On est content, oui. Oui, un bel été pour Chamboisé oui. qui est prévu. Oui. Ça commence et puis ça commence sur les chapeaux de roue, comme on veut dire. Oui. Un autre projet qui s'en va aussi assez sur les chapeaux de roue, on espère qu'il soit sur les chapeaux de roue, c'est le projet du Centre multisport du CSSCV. Et vous oui. avez donné un appui à ce projet-là. Oui, absolument. Donc, c'est plus qu'important. Écoute, c'est important pour ma communauté. Je ne m'ai jamais caché au niveau de plateau sportif. J'ai toujours été un fervent sportif dans ma jeunesse, mais aussi pour ma communauté. Comme vous le savez, on a une entente de loisirs avec la ville de Gatineau depuis X années, même à l'époque de Buckingham. C'est important que les jeunes puissent y faire du sport, qu'ils puissent avoir accès à ces glaces-là. Et puis, c'est certain que la municipalité, on va l'appuyer. Et puis, dans le temps, lorsque ça se précisera, on verra ce qu'on peut faire aussi de notre côté pour peut-être faire de la location d'heures de glace, je ne sais pas. Mais écoutez, moi, je peux m'avancer en disant que c'est sûr qu'on va être partie prenante, mais à quel coût, je ne sais pas là, comment est-ce que ça peut prendre comme forme. C'est important autant que ça l'a été pour la construction du synthétique lorsque la municipalité a participé à un montant de 250 000 à l'époque. Donc, nos enfants vont à l'école là. Donc, c'est un plateau sportif qui va être extrêmement important. Donc, la portée régionale aussi. Ah, absolument, absolument. Puis, si je ne me trompe pas, Sylvain, je crois que le nouveau DG de la ville de Gatineau, il n'avait pas été directeur des loisirs à une époque aussi. Il a été déjà à la ville, oui, mais pour le précis, je ne connais pas l'information. Mais, en tout cas, je pense que si c'est le cas, je pense que ça tombe bien, là, surtout là, avec la possibilité d'avoir un deux glaces dans l'Est, là, donc c'est important. Mm-hmm. Nous, et oui. Parlant de sport, vous avez participé à un tournoi de golf. Je vais participer, oui. Oui, et puis c'est important de soutenir de par ces participations-là oui, à des absolument. Événements sportifs, caritatifs, de toujours. La part des élus. Oui, absolument. Donc, moi, je le fais toutes les années. Je le faisais lorsque j'étais conseiller municipal. Nous, on a une politique même à la municipalité que les conseillers, on doit un événement comme ça par année, incluant moi. Il y en a d'autres aussi que je vais, mais que je
paye ma poche. Là. On a droit à un événement. Cette année, j'ai choisi d'aller au tournoi de golf des Lions pour les paniers de Noël. Donc, ça arrive souvent, c'est soit la fondation, à l'époque, il y avait la réussite éducative, il y avait également le tournoi de la maison de la famille qu'on connaît, que j'ai participé à plusieurs années. Même une année, la famille chez nous avait été famille honoraire, si tu veux. Donc, oui, c'est important. Et puis, c'est important même à un autre niveau. Ça fait également plusieurs années. Je ne peux pas remonter dans le temps que la municipalité contribue aussi au mérite élève lors de la graduation de la polyvalente de Buckingham. Moi, ça fait des années que j'assistais, avant que je sois maire, comme conseiller pour remettre des bourses aux étudiants. Pour moi, c'était important. Je suis allé à toutes les années, puis c'était important de voir mon monde, les souligner, puis de les féliciter, puis de leur souhaiter bonne chance dans leur avenir à l'école, puis de les encourager à continuer. Pour moi, c'est un... Excusez l'anglicisme, là, c'est un no-brainer. Là. Pour moi, c'est important d'aller encourager ma communauté. Donc, c'est une soirée par année. Ça me fait extrêmement plaisir d'aller là. Oui. Bien, on vous souhaite de ne pas avoir trop d'handicap. Oui, exact. Et ensuite, un dernier point. Vous avez acheté et revendu un camion d'utilité, ouais. Un camion d'intervention, tout ouais. de suite à la municipalité Notre-Dame-la-Salette. Pourquoi ouais. avoir réacheté et revendu tout de suite? C'est parce que la municipalité de Chelsea avait deux camions. Il y en avait un qui était plus récent, puis il y en avait un qui était un petit peu plus vieux dans les années. Donc, un qui avait beaucoup plus de kilométrage, un qui est plus récent, moins de kilométrage. Et puis, c'est des camions d'intervention. Et puis... la municipalité de l'Ange-Gardien, pour être certain d'en avoir un des deux, bien, nous avons soumissionné sur les deux. On s'est dit, comme ça n'arrive jamais, là, qu'on va avoir les deux. Et c'est arrivé. Et c'est, on a eu les meilleures soumissions pour les deux. Puis là, bien, ça causait pas un problème. Mais là, c'est, OK, bien, nous, on voulait avoir le plus récent, si vous voulez. Mm-hmm. Donc, ça faisait notre affaire. Bien, celui qui était le plus usagé, bien là, on se trouvait avec un autre camion. Donc, et Notre-Dame-de-la-Salette était disposé à acheter ce camion-là. Donc, nous, on l'a juste, dans le fond, on a fait la transaction, on l'a acheté, puis on l'a revendu tout de suite à Notre-Dame-de-la-Salette. Là, donc, au même coup. Là, donc, il n'y a pas de perte là-dedans. Puis, pour nous, la municipalité de l'Ange-Gardien, ça fait des années qu'on est à remettre à niveau notre flotte de tous les camions. On a dépensé beaucoup d'argent puisque toutes nos infrastructures de pompiers au niveau des camions, tout ça, ben, il ne reste pas beaucoup de choses à compléter. Là. Donc, on va avoir vraiment l'équipement chez nous qui va être à jour. Donc, c'est important. C'est important. C'est parce que ça se fait vieux à un moment donné, puis tu n'as plus le choix. Là. À un moment donné, il faut vraiment les changer. Donc, on va vraiment avoir une flotte de camions à jour au niveau des incendies. Oui, surtout un camion d'intervention comme ça, il faut que ça parte sur le champ. Là. On ne peut pas avoir de problème avec. Oh, non, absolument pas. Absolument pas. Donc, cette semaine, juste pour vous donner, peut-être que vous n'êtes pas au courant, il y en a eu un incendie dans le parc d'affaires. Compagnie qui était sur le point d'ouvrir d'ici peut-être un mois. Je ne suis pas certain. Là. Puis, il y a eu un incendie et puis ça a complètement brûlé. C'est une perte totale. C'était triste à voir. Là. Donc, on a même rencontré le propriétaire le soir. Il était assez ému de voir la perte dans ce bâtiment-là. Puis, il était, comme je vous dis, il était sur le point d'en faire l'ouverture de son endroit. C'était super, super beau. J'ai vu des photos, là, c'était impeccable là, comme bâtiment. Donc, la cause comme telle, je ne suis pas capable de te le dire. Là, c'est, qu'est-ce qui a causé ça? C'est-tu quelque chose? Je ne sais pas. Mais
puisqu'on parle de nos camions d'incendie, ils ont été sollicités cette semaine. Là, donc, c'est lundi là, qu'il y a eu le feu. Là, il y a eu un gros incendie qu'il y a eu là. C'est triste. Puis, ben, on va voir la suite des choses pour cette personne-là. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions. On passe maintenant à la séance du conseil du 2 mai dernier. Bonsoir. Donc, je constate que nous avons quorum. Donc, bienvenue à l'ouverture de la séance ordinaire et l'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 2 mai. Donc, je propose et résolu que ce conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. Et c'est adopté par appuyé par M. Renault. En point 2.1, dépôt des procès-verbaux. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier et c'est appuyé par M. Proulx. Donc, au point 3, des questions des gens du public. Est-ce qu'il y a des questions des gens du public? Il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des déclarations des membres du conseil? Est-ce qu'il y a des déclarations? Non. Non. Au point 5, dépôt et l'adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme, M. Renault. Oui, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 11 avril 2022 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Farrand. Question, commentaire? C'est adopté. Au point 6.1, les comptes payés. M. Farrand. Je propose et résolu que ce conseil entérine la liste des déboursés émis au montant total de 790 805 et 77 sous, tel qu'indiqué sur la liste présentée par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP22-04, le tout selon la disposition du règlement de délégation du pouvoir ainsi que l'article 9-61-1 du Code municipal du Québec. Appuyé par M. Proulx. Question? Entend? La résolution est adoptée. 7.1, l'avis de motion du règlement 2022-017. Madame Roy Tremblay. Je donne l'avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Titre, règlement numéro 2022-017, décrétant l'acquisition d'un camion d'intervention usagé et d'un camion échelle usagée et un emprunt de 671 100 $. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Merci. En 8.1, adoption du règlement numéro 2022-014, M. Renault. Je propose et résolu que ce conseil adopte le règlement 2022-014, modifiant le règlement numéro 98-003 relatif au zonage, afin de modifier le plan de zonage. Tous les membres du conseil déclarent avoir lu le du règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième aliénat de l'article 445 du Code municipal du Québec. Oui, M. le maire, donc le règlement 2022-014, a pour objet de modifier le règlement relatif au zonage, donc afin de modifier le plan de zonage. Le règlement porte particulièrement sur les zones 191 IA et 313 CMA. C'est appuyé par M. Werner. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 8.2, l'adoption du règlement numéro 2022-015, Mme Arcand. Je propose et résolu que ce conseil adopte le règlement 2022-015 établissant un programme de subvention pour l'achat de couches et de produits d'hygiène personnelle lavables. Tous les membres du conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec.
Donc, le règlement 2022-015 a pour objet d'établir un programme de subvention pour l'achat de couches et de produits d'hygiène personnelle lavables. Donc, le règlement prévoit la mise en place d'un programme de subvention aux familles de la municipalité qui utilisent des produits lavables et réutilisables tels que listés dans le règlement. C'est appuyé par M. Farrant. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 8.3, adoption du deuxième projet de règlement numéro 2022-016. Monsieur Renault. Je propose résolu que ce conseil adopte le deuxième projet de règlement numéro 2022-016, règlement omnibus modifiant le règlement 98-002 sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats et le règlement 98-003 relatif au zonage. Tous les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième aliéna de l'article 445 du Code municipal du Québec. Le deuxième projet de règlement 2022-016 a pour objet de modifier les règlements sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats, et le règlement relatif au zonage. Donc, le règlement porte en particulier sur la grille de spécification qui est modifiée, l'article 3.1 du règlement du zonage qui est également modifié, le paragraphe 3 de l'article 4.4.11.2 du règlement sur les déclarations, les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats. Également l'article 3.2.5.2 du règlement de zonage qui est modifié. Et finalement, l'article 4.10 du règlement de zonage qui est ajouté. C'est bien, oui. Appuyé par M. Vanler. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 8.4, l'adoption du règlement 22-ARM-03. Madame Roy-Tremblay. Je propose et résolu que ce conseil adopte le règlement 22-ARM-03 pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 12-ARM-03 concernant la circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de l'Ange-Gardien, pour régir la circulation, le stationnement ainsi que les arrêts dans les limites de la municipalité de l'Ange-Gardien. Tous les membres du conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé dans le deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Règlement 22-RM-03, qui est un règlement uniformisé là, pour les 7 municipalités de la MRC des Collines, donc vient régir la circulation, le stationnement ainsi que les arrêts dans les limites de la municipalité. Donc, le règlement contient des dispositions relatives au stationnement, la circulation dans les parcs et les autres terrains municipaux, la circulation évidemment sur les voies routières, tout ce qui touche les véhicules hippomobiles et les chevaux, les arrêts et évidemment le règlement contient des dispositions pénales pour les contrevenants. C'est bien. C'est appuyé par M. Farrant. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 8.5, adoption du règlement 23-ARM-04. Madame Roy-Tremblay. Je propose résolu que ce conseil adopte le règlement 23-ARM-04 concernant le maintien de la paix publique et du bon ordre dans les limites de la municipalité de l'Ange-Gardien, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 19-RM-04. Tous les membres du conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Donc, le règlement 23-RM-04 est également un règlement uniformisé pour les 7 municipalités de la MRC des Collines. Donc, le règlement porte sur le bruit, la protection de la propriété publique, également la paix et le bon ordre, les parcs, les centres de loisirs et les autres propriétés publiques, l'utilisation des armes dans la municipalité, les cabanes à pêche sur glace et le règlement contient également des dispositions pénales. C'est appuyé par M. Renault. Question? Commentaire? La résolution est adoptée.
Passons maintenant aux affaires nouvelles. En 9.1, l'autorisation de publier une offre d'emploi, Mme Roy-Tremblay. Attendu qu'il y a lieu de combler des postes de pompiers vacants au sein de la Brigade de protection contre les incendies, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le directeur du service de protection contre les incendies à publier une offre d'emploi pour l'embauche de 8 nouveaux pompiers à temps partiel. Donc, c'est appuyé par M. Werner. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.2, nomination de 2 pompiers à titre de lieutenant, pardon, Mme Roy-Tremblay. Attendu que 2 postes de lieutenant sont actuellement vacants au sein de la Brigade de protection contre les incendies et des premiers répondants, attendu qu'il y a lieu de combler les 10 postes, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil nomme messieurs Gaétan Lompré et Julien Pagé, lieutenant pour le service de protection contre les incendies et des premiers répondants. C'est appuyé par Mme Arcan. Est-ce qu'il y a des questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 9.3, autorisation d'octroyer un mandat pour la coordination de la programmation artistique ainsi que la logistique de l'événement de l'Halloween à Chamboisé de l'Ange-Gardien. Monsieur Farran. Attendu que la municipalité souhaite planifier l'événement de l'Halloween sur le site de Chamboisé de l'Ange-Gardien cette année. Attendu que la municipalité a demandé une proposition à Mme Marie-Ève Charon pour la réalisation de ce mandat. En conséquence, je propose résolu que ce conseil octroie le mandat de la coordination et de la programmation artistique ainsi que la logistique de l'événement de l'Halloween à Chamboisé de l'Ange-Gardien à Mme Marie-Ève Charon pour la somme de 4 800 $, conformément à la proposition du 24 mars 2022. C'est appuyé par M. Werner. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.4, autorisation d'une dépense pour la participation au séminaire en sécurité civile de l'Association de sécurité civile du Québec. Mme Roy-Tremblay. Attendu que le séminaire de l'Association de sécurité civile du Québec aura lieu les 19 et 20 mai prochains. Attendu que le directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants souhaite participer à ce séminaire. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 517 $ et 39 sous, taxes incluses, pour l'inscription du directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants qui aura lieu les 19 et 20 mai prochains à Laval. De plus, ce conseil autorise le remboursement aux participants de ses frais de déplacement et de séjour conformément à la politique en vigueur. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-16003-454, formation incendie et premier répondant. C'est appuyé par M. Renault. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.5, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA. M. Proulx. Dans sa résolution 2022-012, adoptée le 14 mars dernier, le comité consultatif d'urbanisme avait recommandé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale de la compagnie Acier-DM pour son projet d'agrandissement. Attendu que le conseil municipal a également approuvé le PIA d'Acier-DM le 4 avril dernier. Attendu que le demandeur a apporté une modification à son PIA qui consiste à modifier l'orientation et l'emplacement du bâtiment principal en raison de la capacité portante du sol à l'emplacement original. Attendu que le CCU, dans sa résolution 2022-015, adoptée le 11 avril, a recommandé d'approuver la modification proposée. Je propose et résolu que ce conseil approuve les modifications proposées à la demande de PIA 2022-00005 en conservant les conditions mentionnées originellement. Appuyé par M. Renault. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.6, demande d'autorisation à la CPTAQ. M. Renault. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 3 678 473 situé sur le chemin Donaldson en zone agricole. Attendu que le demandeur souhaite construire une résidence et un garage sur le dit lot. Attendu que le lot en question est conforme et peut recevoir les constructions proposées. Attendu que le potentiel agricole du lot est faible en raison de la basse fertilité et des contraintes majeures. Attendu que le projet n'aura pas d'impact négatif sur les exploitations agricoles de ce secteur ni sur leur homogénéité. Attendu que le CCU, dans la résolution 2022-016, adoptée le 11 avril, a recommandé d'appuyer la présente demande. En conséquence, je propose résolu que ce conseil appuie la demande d'autorisation à la CPTAQ 2022-00006
pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles sur le lot 3,678,473. Donc, c'est appuyé par M. Vernant. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.7, approbation d'un avant-projet de lotissement. M. Renault. Tandis que le demandeur est propriétaire du lot 3,352,768, situé au sud du chemin Robitaille, en zone résidentielle de consolidation 226 RC, tandis que le lot a une superficie de 37 161 m², tandis que le demandeur souhaite subdiviser le lot en 4 terrains pour fin de construction résidentielle ayant façade sur le chemin Robitaille, tandis que le projet est conforme à la réglementation de lotissement, tandis que le CCU, dans sa résolution 2022-017, adoptée le 11 avril, a recommandé d'appuyer la présente demande à la condition que le demandeur cède à la municipalité une servitude de conservation pour le milieu humide présent sur le lot visé. En conséquence, je propose résolu que ce conseil approuve la présente demande d'avant-projet de lotissement 2022-00009 en prévoyant une servitude de conservation pour le milieu humide présent sur le terrain. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? La résolution est adoptée. 9.8, demande d'autorisation à la CPTAQ. M. Renault. Tandis que le demandeur est propriétaire du lot 3,299,541 d'une superficie de 1,15 hectares sur le chemin River, principalement en zone agricole, sur lequel est érigé un chalet ayant fait l'objet d'une autorisation de la CPTAQ en 1986. Tandis que le lot 3,299,541 est séparé du reste de la terre cultivée de 300,97 hectares par le chemin River et est contigu à la zone non agricole. Tandis que le demandeur souhaite aliéner le lot 3,299,541, tandis que le lot en question est conforme et peut recevoir les constructions proposées, tandis que le potentiel agricole du lot est faible et qu'il est situé dans une aire d'affectation agricole déstructurée en vertu du schéma d'aménagement et de développement de la MRC des collines de l'Outaouais, tandis que le projet n'aura pas d'impact négatif sur les exploitations agricoles de ce secteur ni sur leur homogénéité, tandis que le CCU, dans la résolution 2022-018, adoptée le 11 avril, a recommandé d'appuyer la présente demande. En conséquence, je propose résolu que ce conseil appuie la présente demande d'autorisation à la CPTAQ 2022-00010 pour l'aliénation du lot 3,299,541. Appuyé par M. Proulx. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.9, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA. M. Werner. Le demandeur est propriétaire du lot 5,587,075 situé au 56 chemin Henri-Chartrand dans le parc d'affaires municipal. Attendu que le terrain comporte déjà un bâtiment principal relié à l'entreprise de déménagement du demandeur et un ensemble de mini-entrepôts. Attendu que le demandeur souhaite construire deux ensembles de mini-entrepôts supplémentaires tels que prévus dans son projet original. Attendu que le projet est conforme à la réglementation d'urbanisme. Attendu que le CCU, dans la résolution 2022-019, adoptée le 11 avril, a recommandé d'approuver la présente demande. En conséquence, je propose résolu que ce conseil approuve la demande de PIA 2022-00011 présentée par la compagnie 1-00-00469 Canada Inc. pour le 56 chemin Henri Chartrand. Appuyé par M. Renault. Question? Commentaire. La résolution est adoptée. L'approbation d'un plan d'implantation en 9.10 et d'intégration architecturale, PIA, M. Renault. Tandis que le demandeur est propriétaire du lot 5,653,816 situé sur le chemin industriel dans le parc d'affaires municipal. Tandis que le demandeur souhaite construire un bâtiment devant servir de garage d'entreposage et de bureau administratif relié à son entreprise de vente de styromousse. Tandis que le projet est conforme à la réglementation d'urbanisme, tandis que le CCU, dans sa résolution 2022-020, adoptée le 11 avril, a recommandé d'approuver la présente demande. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la demande de PIA 2021-00027, présentée par la compagnie 163721 Canada Inc. pour le lot 5,653,816 sur le chemin industriel. C'est appuyé par Mme Arcand. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.11, l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA. M. Farrand. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 3,353,099 situé au 33 chemin Mongeon dans la zone industrielle
191-IA, attendu que le terrain comporte un bâtiment commercial, attendu que le demandeur souhaite modifier la partie arrière du bâtiment afin d'y aménager deux locaux distincts comportant un espace de bureau et une salle de bain, lesquels seront occupés par une entreprise de trois tiers et d'une entreprise de construction, attendu que le projet est conforme à la réglementation d'urbanisme, attendu que le CCU, dans sa résolution 2022-021, adoptée le 11 avril, a recommandé d'approuver la présente demande. En conséquence, je propose résolu que le Conseil approuve la demande du PIA 2022-00007, présentée par la compagnie 163-721 Canada Inc., pour la modification du bâtiment principal sur le lot 3 353 099, sur le chemin Mongeon, à la condition que les matériaux de construction de l'enseigne soient précisés et que l'aménagement paysager soit prévu pour la dite enseigne. C'est appuyé par M. Renault. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.12, autorisation de procéder à la location d'un immeuble. M. Werner. La propriété située au 1889 route 315, laquelle comporte un garage commercial et un terrain de 5616,9 mètres carrés est alloué. Attendu que ce garage et ce terrain pourraient être utiles pour le service technique de la municipalité pour entreposer des équipements, car les espaces sont devenus insuffisants au 870 de Nelson. Attendu que cette propriété est située à un endroit stratégique, voisine de la nouvelle école des Grands-Pins, actuellement en construction. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise la location pour une période d'un an de la propriété située au 1889 route 315 pour le loyer mensuel de 4 000 plus taxes. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer le bail de location. Donc, c'est appuyé par M. Prou. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.13, l'autorisation d'une dépense pour la réalisation des travaux de stabilisation de la paroi rocheuse du chemin Donaldson. Monsieur Werner. Le chemin Donaldson est fermé par mesure de sécurité depuis le 29 mars entre le chemin de la baie Teske et le chemin de la baie Archer suite à un éboulement survenu dans la paroi rocheuse bordant le chemin de ce secteur. Attendu que la municipalité avait demandé une expertise en novembre dernier et la firme Englobe afin d'évaluer le risque relié à cette paroi et proposer des solutions. Attendu que le rapport préliminaire du consultant a été déposé le 8 avril 2022 et que ce rapport confirme l'instabilité de la paroi, surtout dans sa partie supérieure. Attendu que les consultants suggèrent de procéder à un écaille mécanique de la paroi à l'aide d'une excavatrice à longue portée. Attendu que les frais de transport d'un tel équipement en période de dégel sont plus élevés que normalement. Attendu qu'il faut également prévoir les coûts de location de l'excavatrice longue portée, de l'opérateur, de la préparation du site, d'autres excavatrices pour procéder au cassage des gros blocs de roc et de chargement du déblé, et également le transport de ce déblé hors du site de travaux. Attendu que ce projet n'avait pas été prévu au budget 2022, mais que la réouverture du chemin était une priorité. En conséquence, je propose et résolu que son conseil autorise une dépense de 75 000 $ pour la réalisation des travaux d'écaillage mécanique, de cassage de roc, de chargement et de transport de déblé sur la paroi rocheuse du chemin Donaldson. Les fonds à cette fin seront pris à même le poste 02-23000-670, travaux d'urgence pour 20 000 $ et à même l'excédent accumulé non affecté pour le solde. Excusez. Appuyé par M. Prou. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.14, l'approbation d'une entente avec la compagnie 399-0591 Canada Inc. et Baudouin Canada. M. Prou. Attendu que 399-0591 Canada Inc. et la municipalité ont signé en juillet 2019 une option d'achat et droit de premier refus. Attendu qu'en vertu de cette option d'achat et de droit de premier refus, la municipalité consentait au bénéfice de 399-0591 Canada Inc. pour une période de 5 ans. Une option d'achat exclusive pour la partie située au nord de la ligne 31G11-010-1908 et 31G11-010-1808 des lots 6 255 021,
6255020, 6255028 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Papineau, le tout tel qu'il appare du plan annoté de la minute 20885 de Daniel Anfield, arpenteur géomètre. Attendu qu'en vertu de cette option d'achat et de droit de premier refus, la municipalité consentait également à la compagnie pour une période de 10 ans un droit de premier refus exclusif pour acquérir la partie située au sud des lignes mentionnées plus tôt du cadastre du Québec, circonscription foncière de Papineau, le tout tel qu'il appare du plan annoté de la minute 20885 de Daniel Anfield. Attendu que les deux parties souhaitent mettre un terme à l'option d'achat et de droit de premier refus, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve l'entente et transactions reçues et quittances négociées avec la compagnie 399-05-91 Canada Inc. relativement à l'abandon par celle-ci de son option d'achat et de droit de premier refus sur les terrains décrits dans le préambule, laquelle est jointe en annexe à la présente. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la dite entente. Les fonds à cette fin seront pris à même les revenus de vente de terrain dans le parc d'affaires. Monsieur le maire. Trop vite. Oui, c'est bien. Donc, c'est, pardon, appuyé par Mme Arcand. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.15, autorisation d'une dépense pour l'achat d'abats poussière liquide. Monsieur Varner. La municipalité souhaite procéder à l'épandage d'abats poussière liquide sur ce chemin de gravier. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 27 450 $ plus taxes pour l'achat de 90 000 litres d'abats poussière liquide. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-32-000-629 abats poussière. Donc, c'est appuyé par M. Renaud. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.16, nomination d'un préposé à la cueillette des matières résiduelles. Mme Arcand. Attendu que dans sa résolution 2022-04-2213, ce conseil a autorisé la création d'un nouveau poste de préposé à la cueillette des matières résiduelles afin d'opérer le deuxième camion de cueillette. Attendu que le poste a été ouvert à l'interne. Attendu que M. Daniel Couture, actuellement préposé à l'entretien des immeubles, a déposé sa candidature pour ce poste. Attendu que M. Couture possède les qualifications requises pour ce poste, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise la nomination de M. Daniel Couture au poste de préposé à la cueillette des matières résiduelles. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.17, autorisation de procéder à l'allocation d'un chapiteau. M. Farran. La municipalité tiendra en collaboration avec ses partenaires plusieurs événements sur le site de Chamboisé de l'Ange-Gardien au cours de l'été prochain, soit 4 concerts, le Festival des vins et spiritueux et le Symposium Trace. Attendu que chacun de ces événements nécessite l'installation d'un chapiteau. Attendu qu'il sera plus avantageux de louer un chapiteau pour l'été que d'en louer un à 6 reprises. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 24 400 plus taxes pour la location d'un chapiteau de 60% du 18 juin au 18 septembre 2022. Les fonds à cette fin seront pris à même l'excédent accumulé non affecté. C'est appuyé par M. Renaud. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.18, appui au centre de services scolaires au cœur des vallées. Attendu que le Centre de services scolaires au cœur des vallées compte déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur pour un projet de complexe de glace à l'école secondaire Hormidas-Gamelin dans le secteur Bocniam. Attendu que la Ville de Gatineau, dans sa résolution CM-2021-897, adoptée le 14 décembre 2021, a donné à son appui à ce projet. Attendu que ce projet bénéficierait à la population de l'Ange-Gardien en vertu de l'entente de loisirs en vigueur entre la municipalité de l'Ange-Gardien et la Ville de Gatineau. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil appuie le projet d'un projet de complexe de glace à l'école secondaire Hormidas-Gamelin dans le secteur Bocniam et s'est appuyé unanimement. 9.19, autorisation de céder une parcelle de terrain, Mme Arcand. La municipalité est propriétaire du lot 5,890,086 du cadastre du Québec, d'une superficie de 4,703,1 m² située en bordure de la route 309. Attendu que ce terrain est grevé d'une servitude de non-accès à la route 309, il ne possède aucune autre façade sur un chemin public.
attendu que le sentier du club de ski de fond des Renards Blancs traverse ce terrain, attendu que ce terrain est occupé en bonne partie par un milieu humide et un ruisseau, attendu que pour toutes ces raisons, ce terrain est à toute fin utile non constructible, attendu que le propriétaire du lot voisin, 5 890 085, ayant façade sur le chemin James McFall, est intéressé à acquérir le lot de la municipalité afin de se donner plus de flexibilité pour construire sa nouvelle résidence, attendu que la valeur du lot de la municipalité au rôle d'évaluation est de 7 700. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise la cession pour la somme de 7 700 du lot 5 890 086 du cadastre du Québec à M. Benoît Périard. La municipalité conservera cependant un droit de passage perpétuel pour le tracé du sentier du ski de fond sur le lot. Il est également résolu que les fonds provenant de cette vente seront versés au fonds des parcs, de parcs et de terrains de jeu. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de vente du dit lot tel que préparé par un notaire désigné par l'acheteur. Appuyé par M. Renault. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.20. Je propose et résolu que ce conseil félicite M. Carl Martin, technicien en comptabilité à la municipalité, et sa conjointe Émilie Poisson à la suite de la naissance le 17 avril dernier de leur deuxième enfant et leur souhaite de vivre pleinement toutes les joies de la parentalité. Donc, c'est appuyé unanimement. 9.21, remplacement de la résolution 2023-03-2157, M. Renault. Attendu que ce conseil a adopté le 7 mars dernier la résolution 2022-03-2157, appuyant une demande d'autorisation à la CPTAQ. Attendu que la CPTAQ a demandé une correction à la dite résolution, attendu que le demandeur est propriétaire des lots 3 377 192, 3 300 308, situés en zone agricole, et des lots 3 300 310, 3 993 905, situés en zone résidentielle RC 12 et RC 13 sur le chemin River. Attendu que les terrains du demandeur situés en zone résidentielle se trouvent enclavés par les terrains en zone agricole et n'ont pas de frontage sur le chemin River. Attendu que les lots situés en zone résidentielle ont une superficie totale de 16 144 mètres carrés. Attendu que le demandeur souhaite ériger une résidence sur le lot 3 300 310 en zone résidentielle, lequel a une superficie de 8 031 mètres carrés, une superficie constructible de 3078,1 mètres carrés, ce qui est conforme au règlement de lotissement. Attendu que pour pouvoir construire un bâtiment principal sur le lot 3 300 310, celui-ci doit avoir un frontage de 50 mètres sur un chemin public. Attendu que pour obtenir ce frontage sur le chemin River, le demandeur souhaite lotir une bande de terre qui traverse le terrain agricole, soit le 3 377 193, et rejoindre cette parcelle au lot 3 300 310. Attendu que cette opération constitue un morcellement d'une terre agricole, le lot 3 377 193, ce qui nécessite une autorisation à la CPTAQ. Attendu que la demande respecte les critères applicables de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Attendu que la demande est conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur. Attendu que le Comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution 2022-002, a recommandé d'appuyer cette demande d'autorisation. En conséquence, je propose résolu que ce conseil appuie la demande d'autorisation à la CPTAQ décrite dans le préambule et portant le numéro 2022-00001. La présente demande annule et remplace la résolution 2022-03-2157. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.22, l'approbation d'une dépense pour l'inscription à un tournoi de golf. Monsieur Farran. Attendu que le tournoi de golf du Club Lyon de Buckingham aura lieu le 3 juin prochain au Club de golf de Buckingham. Attendu que M. le maire souhaite représenter la municipalité lors de ce tournoi. Attendu que la politique P-ADM-2 sur les subventions et commandites autorise chaque membre du Conseil à représenter la municipalité dans une activité de financement d'un organisme de bienfaisance par année.
En conséquence, je propose résolu que ce conseil autorise une dépense de 125 $ pour l'inscription de M. le maire, M. Marc-Louis XVI, au tournoi de golf du Club Lyon de Buckingham. Donc, c'est appuyé par M. Proulx. Question? Question, commentaire? La résolution est adoptée. Donc, j'essaierai de vous faire honneur. 9.23, l'autorisation de procéder à l'achat et la revente d'un camion d'intervention usagé. Mme Roy-Tremblay. Attendu que la municipalité a déposé deux soumissions par le biais du Centre d'acquisition gouvernementale pour l'achat de deux camions d'intervention usagés de la municipalité de Chelsea. Attendu que, contre toute attente, la municipalité a remporté les deux soumissions. Attendu que la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette est intéressée à acquérir un des deux camions, soit le Ford DRW F550 XL année 2000, au même prix que celui payé par la municipalité. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 38 582,91 $, taxes nettes incluses, pour l'achat d'un camion d'intervention usagé de marque Ford, modèle DRW F550 année 2000. De plus, ce conseil autorise la revente du dit véhicule à la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette pour le même montant. C'est appuyé par M. Werner. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.24, autorisation d'une dépense pour la location d'un tracteur. M. Werner. Tandis que la municipalité a alloué en mars 2020 un tracteur New Holland modèle 75 pour le fauchage des bords de chemin. Attendu qu'il y a lieu de remplacer ce tracteur par un modèle légèrement plus gros, soit un modèle T655. Attendu que le fournisseur a accepté de remplacer le tracteur. En conséquence, je propose et résolu que son conseil autorise la location pour une période de 60 mois d'un tracteur New Holland T6-155-2015 pour un loyer mensuel de 1 500 $ plus taxes. De plus, ce conseil autorise la terminaison du contrat de location pour le tracteur New Holland 75 année 2020. Les fonds à cette fin sont pris au poste budgétaire 02-32010-515, location de véhicules. Et c'est appuyé par M. Renault. Question, commentaire? La résolution est adoptée. Donc, ceci met fin à la réunion du Conseil, donc la levée de la séance. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Proulx. 19h30. Il est 19h38. Donc, merci. Merci d'avoir été des nôtres. Et je vous rappelle que le prochain Conseil de l'Ange gardien aura lieu le 6 juin prochain à la mairie.